que nous sommes, ce que nous savons, nous le devons souvent à ceux qui nous ont précédés, tout en essayant de le perpétuer. En science, ce constat est particulièrement vrai. Comme le reconnaissait Newton, si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais monté sur des épaules de géants. Parmi ces géants se trouve sans conteste Joseph-Louis Lagrange. Né en 1736, soit 10 ans après la mort de Newton, Lagrange voit le jour à Turin, dans le nord de l'Italie, qui sera annexé à la France pendant les conquêtes napoléoniennes. Il devient très vite professeur à 19 ans dans l'école d'artillerie de cette ville et entreprend une correspondance suivie avec les plus grands mathématiciens européens. Sa notoriété est alors de plus en plus grande. Il fonde en 1758 l'Académie des sciences de Turin. Sur l'invitation de Frédéric II de Prusse, conseillé par Jean-Laurent d'Alembert, Lagrange quitte sa ville natale en 1766 pour s'installer à Berlin, où il est nommé directeur de la classe de mathématiques de l'Académie de Berlin, succédant ainsi à Euler. Il quittera la Prusse en 1788 pour rejoindre l'Académie des sciences de Paris, où il restera jusqu'à la fin de sa vie. À sa mort en 1813, il y a exactement 200 ans, Lagrange est une figure éminente de la science, reconnue de son vivant, depuis le début de sa carrière, une pyramide des mathématiques, comme le qualifiait Napoléon. Tout enseignant de mathématiques, de physique et plus particulièrement d'astronomie est redevable à Joseph-Louis Lagrange pour ses travaux. L'ampleur de sa contribution est phénoménale et n'a absolument rien à envier à ses contemporains, le grand Euler, déjà évoqué, ou le génial Gauss, pourtant plus connu. La profondeur de sa méthode et la nouveauté qu'il imprime marqueront à jamais l'histoire des sciences. Premier professeur de mathématiques de l'école polytechnique et de l'école normale supérieure, il fonde un cours et un style d'enseignement dont la tradition est toujours vivace 2 siècles plus tard. S'il existe une école française de mathématiques et de physique théorique, on le doit en partie à Joseph-Louis Lagrange. Scientifique résolument européen, avec sa carrière et ses contacts étalés de l'Italie à la France, en passant par l'Allemagne et la Russie, il initie une méthode de travail, par correspondance, qui est devenue la règle de nos jours. Joseph-Louis Lagrange est donc l'un de nos géants. Du haut de ses épaules, nous contemplons l'œuvre scientifique. L'hommage que nous nous rendons aujourd'hui, dans la maison des grands hommes, est ainsi légitime. Efforçons-nous cependant de ne pas oublier ces leçons. À l'heure où les références de l'enseignement et le déplacement des valeurs ne mettent plus forcément en avant autant d'abnégation, de volonté de partage, de découverte et de compréhension. Restons donc vigilants afin que l'on puisse continuer encore longtemps à transmettre et à mettre en pratique les idées et les principes de ce père fondateur. Je terminerai en reprenant sa signature. Salut et fraternité. Merci.